Afin d'accélérer la croissance économique, de créer des emplois et d'améliorer la compétitivité des villes, les pays africains ont mis en place des infrastructures en réformant les marchés fonciers. Dakar, capitale sénégalaise, est l'une des grandes agglomérations urbaines d'Afrique, avec une population d'environ 4 millions d'habitants en 2023. Au quotidien, les populations sont confrontées à des difficultés pour se déplacer, une situation que les pouvoirs publics cherchent à résorber à travers diverses initiatives. Courir, courir derrière le temps, c'était avant le BRT. Car ce BRT, opéré par Dakar Mobilité, réduira bientôt de moitié le temps de trajet entre Guédawaye et Petersen. Pour désengorger la métropole de Dakar qui perd chaque année 152 millions de dollars dans les embouteillages, les autorités ont misé sur le transport en masse, à savoir le train express régional TER, reliant la gare de Dakar à celle de Diamnadio au Sénégal, et le bus rapide transit BRT. Après l'inauguration du TER le 27 décembre 2021, les autorités sénégalaises ont inauguré le 14 janvier 2024 le BRT, une infrastructure ultra-moderne financée à hauteur de 419 milliards de francs CFA. Ce dimanche 14 janvier 2024, un autre saut qualitatif vers le Sénégal moderne. À l'image du TER, le BRT nous conforte dans la nouvelle ère de révolution des transports de masse qui règle les difficultés d'aujourd'hui et anticipe sur les problèmes de demain. Le bus rapide transit BRT, censé desservir 300 000 passagers dans la ville de Dakar, est entré en service. Au total, 121 bus entièrement électriques ont été livrés par la société chinoise CRRC Corporation, qui opère dans les équipements de transport. Ces engins de transport public ont pour mission de desservir 14 communes avec 23 stations d'arrêt. Comme prévu dès le lancement du projet en 2021, la capitale sénégalaise sera désengorgée et reliée à la ville côtière de Guédiéway. Congestion, difficulté à se déplacer, pollution très préoccupante, entre autres, sont des problèmes que connaissent toutes les grandes métropoles du monde. Évidemment, Dakar n'y échappe pas. C'est pour corriger ces handicaps que vous avez soutenu, Monsieur le Président de la République, une stratégie cohérente favorisant le transport public dans le cadre du plan Sénégal émergent pour continuer de faire de Dakar une ville vraiment attractive, une ville moderne, une ville compétitive. Dans la région de Dakar, qui concentre un quart de la population nationale, mais aussi l'essentiel de l'activité économique, l'État sénégalais vise à travers les transports de masse à répondre efficacement à la demande de mobilité tout en structurant l'espace urbain, réduisant la congestion et se connectant harmonieusement à la banlieue.